Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver des fournisseurs fiables au Nigeria pour votre business d'import-export. Si vous êtes vraiment dans le business d'import-export et vous voulez réellement trouver de bons fournisseurs au Nigeria, les fournisseurs avec lesquels vous allez pouvoir dealer pour acheter vos produits et l'exporter vers l'extérieur pour satisfaire la demande que vous avez dans ce sens-là, alors vous êtes vraiment la bienvenue dans cette vidéo. Et ce que vous allez simplement faire, c'est de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment apprendre un peu plus et voir comment vous pouvez procéder pour trouver de très bons fournisseurs au Nigeria. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, je suis Ricardo Dosso, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. C'est très important de le faire ainsi, chers amis. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Cliquez sur ces liens-là et rejoignez-nous sur nos différents canaux, les amis. C'est très important également. Donc, pour nos chers amis qui voudraient se lancer dans le domaine du négoce international, vous pouvez également prendre attache avec nous. Vous avez nos coordonnées là et nous allons pouvoir vous accompagner au travers de notre coaching personnalisé ou bien de notre formation dans ce sens, les amis. C'est aussi important. Si vous voulez vous lancer dans le domaine. Sans plus tarder, let's go. Alors, avant de démarrer, il faudrait que je puisse signifier quelque chose. Lorsque vous intégrez le canal Telegram et quelqu'un vous écrit en premier, sachez que ce n'est pas moi. Je ne vous écrirai jamais en premier, les amis. Donc, faites gaffe. Ça voudra simplement dire que ce sont des faussaires. Oui, il y a des faussaires sur notre canal Telegram, mais comment les dénicher? Je ne sais pas comment on peut les dénicher. Mais la seule chose que je pourrais vous dire, c'est de tout faire lorsqu'on vous écrit en premier, de ne pas répondre, les amis. Moi-même, je ne vous écrirai jamais en premier. C'est plutôt vous qui pouvez m'écrire et je vais pouvoir répondre. Donc, c'est une mise au point. Alors, comme je le disais tantôt, comment trouver de très bons fournisseurs au Nigeria pour faire votre business? Il y a de cela quelques moments. Je parle assez du Nigeria sur ma chaîne YouTube parce que je sais et j'ai aussi l'expérience et je pense que je suis bien placé pour pouvoir vous parler du Nigeria en ce qui concerne le business au Nigeria, les amis. Alors, le Nigeria, en réalité, c'est un pays de tous les mélanges. Vous avez les bonnes personnes, vous avez les mauvaises personnes, vous avez les bons fournisseurs, vous avez les mauvais fournisseurs et autres. Vous avez des usines de production, vous avez des grossistes, vous avez des détaillants, vous avez un peu de tout. Et pratiquement un peu de tous les produits que vous pouvez rechercher un peu partout ailleurs. Vous allez au Nigeria, vous cherchez bien, vous allez pouvoir tomber sur ces produits-là et acheter vos produits, que ce soit du côté des céréales, que ce soit du côté des produits agroalimentaires, donc des produits finis. Que ce soit des produits du côté des produits industriels, des équipements médicaux, matériel de construction, matériaux de construction, tout ça là. Le tout mélangé, vous avez tout ça là au Nigeria, les amis. Franchement, vous avez tout. Que ce soit en gros, comme en détail, ou directement auprès des usines. Oui, parce qu'il y a également les usines au Nigeria qui sont destinées. Qui fabrique directement les produits. Vous comprenez, c'est ça. Donc, une personne qui voudrait réellement se lancer dans le domaine du négoce international, la personne, lorsqu'elle décide de faire du Nigeria son allié en termes de fournisseur, elle a plusieurs choses à faire. Alors, la première des choses que vous pouvez faire pour retrouver de bons fournisseurs au Nigeria, nous avons tout ce que vous connaissez, cette plateforme-là qui n'est rien d'autre que la recherche en ligne sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez fournisseur nigérien, vous cherchez, et si vous pouvez mettre ça en anglais, ça peut être bon. Le produit que vous recherchez, vous pouvez mettre le produit en anglais, vous tapez, vous recherchez, vous faites vos recherches en anglais, ça vous sortit des listes, et vous pouvez maintenant entrer en contact avec eux, discuter un peu en contact avec eux. Lorsque vous allez sur leur site web, vous allez voir leur adresse email, vous prenez, ou bien voir leur numéro directement, même vous prenez, vous pouvez les contacter et discuter avec eux pour prendre attache avec eux, si possible, un rendez-vous et aller sur place, les amis. C'est aussi une possibilité de pouvoir trouver des fournisseurs au Nigeria. Alors, la seconde possibilité que vous pouvez également utiliser, ce sont les réseaux sociaux.
les fournisseurs aujourd'hui sont présents sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont présents partout. Il y a certains aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux pour aussi chercher de la clientèle. Donc, lorsque vous allez sur, par exemple, TikTok, vous allez sur Facebook, vous allez sur, lorsque vous allez sur Twitter, par exemple, vous avez la possibilité de trouver ces fournisseurs-là et vous écrivez également avec eux, vous entrez en contact avec eux et vous allez pouvoir avoir des réponses probantes par rapport à vos préoccupations dans ce sens-là, les amis. Voilà. Donc, en dehors de ça également, alors la troisième possibilité qui s'offre également à vous, c'est de passer par des foires commerciales. Des foires commerciales qui se passent au Nigeria, les amis. Lorsque vous allez au Nigeria, vous pouvez retrouver par exemple des foires. Et si vous n'avez personne pour vous orienter pour ces foires-là, je vous avais déjà fait sortir une vidéo ici où vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez vous rendre et voir toutes les foires commerciales que nous avons dans le monde. Les agendas, tout le calendrier, c'est là. C'est la plateforme Tentime. Vous allez sur ça, vous allez retrouver et vous tapez pour le Nigeria, vous allez trouver toutes les foires qui sont en cours ou bien qui sont dans les jours et mois à venir, qui sont programmés. Vous allez retrouver ça sur cette plateforme-là. Et vous pourrez prendre attache et maintenant après vous rendre sur vous rendre maintenant au Nigeria, participer à cette foire. Vous savez, lorsqu'on parle des foires, c'est un regroupement de sociétés de fabrication de X produits, des usines, des revendeurs, des détails et des grossistes. Vous avez un peu de tout au fait lors des foires là, vous comprenez? Donc c'est vraiment un cadre idéal pour trouver vraiment de bons fournisseurs. C'est ça les amis. Donc vous pouvez aussi prioriser les foires. Alors en dehors de ça, si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre au Nigeria par exemple, vous pouvez chercher dans d'autres pays, les foires nigériens qui se passent dans d'autres pays. Par exemple, il y a des foires nigériens qui se font en Chine, qui se font à Dubaï, qui se font en Angleterre, aux États-Unis. Vous pouvez chercher toujours sur la plateforme Tentime et voir ces foires-là qui se passent dans d'autres pays, mais qui sont plutôt organisées par des Nigériens. Vous pouvez également trouver ça et aller vous rendre lors de ces foires-là, vous rendre là-bas. Et puis participer à ça. Et en dehors de ça, les amis, nous avons le fait que vous puissiez vous rendre aussi sur le terrain directement pour faire vos propres recherches sur le terrain. C'est ça, les amis. Vous pouvez également vous rendre directement au Nigeria, faire vos propres recherches sur le terrain, nouer des partenariats avec eux et en même temps faire les visites des entrepôts, des usines, tout et tout, ça va vous faire gagner énormément du temps, les amis. Et ça, c'est du concret. Vous n'allez plus tourner autour du pot, vous allez directement auprès des fournisseurs, vous les voyez face to face comme ça, vous discutez avec eux, vous voyez le produit. Et je profite pour tous ceux-là qui veulent se rendre au Nigeria, faire du business au Nigeria, trouver de bons fournisseurs au Nigeria, vous pouvez rejoindre notre canal spécialement dédié au business au Nigeria et nous pouvons également. Et nous allons pouvoir vous accompagner à vous rendre au Nigeria, trouver les fournisseurs dans votre domaine, les amis. Que ce soit n'importe quel type de domaine, nous allons vous accompagner à avoir ces fournisseurs-là dans votre domaine et vous allez pouvoir faire des affaires avec eux. C'est ça, les amis. Le contact est toujours meilleur. Lorsque vous entrez en contact avec eux directement et vous êtes en face d'eux, vous voyez le produit, vous pouvez maintenant checker pour voir si le produit que vous recherchez, c'est vraiment le produit idéal. Et si c'est la meilleure qualité, et dans ce cas, alors vous pouvez maintenant commencer par faire vous. Bon, vous allez signer le contrat, hein, vous signez votre contrat avec eux, et puis vous allez commencer par faire du business avec eux, les amis. C'est ça. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, chers amis, au travers de cette vidéo. Donc on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.